avec 1850 colis en moyenne distribués quotidiennement en décembre contre 1337 le reste de l'année. La PPDC, la plateforme de préparation et de distribution du courrier de La Roche-sur-Yon, doit réaménager son organisation pour que tout soit livré en temps et en heure pour Noël. Ces colis arrivent tout droit de la plateforme ColiPost de Rennes. Au mois de décembre, elle traite 14 000 colis par jour à destination de la Vendée, un trafic qui représente 175% du trafic moyen journalier. Évidemment, cela se répercute directement sur la plateforme lyonnaise. On a des moyennes entre 150% et 200% de trafic. Il faut savoir que les 17 et 18 décembre seront les journées les plus chargées où on peut atteindre des pics de 200% de trafic. Soit 2000 à 2200 colis livrés par jour. Donc on fait appel à des intérimaires pour justement s'adapter au trafic colis qui commence à monter vers les semaines 50-51 jusqu'à Noël. Une fois réceptionnés, les colis sont dispatchés selon différentes zones géographiques, puis scannés afin d'organiser au mieux les plans de transport et de livraison des facteurs. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, donc maintenant c'est rodé, c'est quelque chose qui est rodé, donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire et chacun est bien placé. Et on a l'encadrante qui nous dit aussi où se mettre. Oui. La suite du programme, c'est sur les routes qu'elle se passe. Céline est partie pour une tournée de 5 heures aux abords du Pentagone. Aujourd'hui, elle doit livrer plus d'une centaine de colis, certains directement dans les boîtes à lettres, les autres sont remis en main propre. Bonjour. Bonjour. Le café du matin. Merci. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. C'est 20 paquets à l'heure. Après, tout part de la préparation de la tournée, en fait. Si tout est bien fait au départ, après, ça va tout seul, quoi. On a toutes nos rues dans la tête, on connaît nos tournées, nos rues, nos clients, donc ça va vite, mais il ne faut pas perdre de temps. Évidemment, à cette période, ils sont nombreux à attendre impatiemment le passage du facteur pour la remise de leur colis. Un colis bien souvent synonyme de cadeau au pied du sapin.